On a reparti Nord Kivu et Ituri, na Kabila, na Bemba. Donc Bemba dirige Ituri, Kabila dirige le Nord Kivu. Est-ce qu'on a Kivu, Ituri, si y a Bitumba? Et ça, parti à Mboka na biso. Soki Moussapio, et ça n'a pas. N'est-ce pas? Et ça, Moussapio, il y a une capacité. Et un Zoto Moubimba, et Goyoka, passe. Nakati Andak, Bosoto, et Zali. Mais Bosoto, il faut trouver des solutions, Nakati Andak. Bisoto, Lubakiboui. Nous devons d'abord faire des réformes institutionnelles. Par réforme, il y a l'armée, il y a la police, il y a le service de sécurité. Parce que l'armée, la police, le service de sécurité, ils ont infiltré. Je vous dis que c'est la routine. Les Akaka, ils ont déjà ces saliments au monde. Donc, il y aura pas de résultats tant attendu. Pour un temps, Oyo Kango, il a dit, Bakoum Kouganga, voilà, on a fait ceci. Nassimanango, vous m'en avez dit, et Zongi. Pourquoi, madame? Parce qu'on n'a pas tablé sur le vrai problème où ils allaient qu'on divisait les Congolais. Balandia au Seigneur du Congo chaîne Oye, mais ça n'a quoi informé Binotan ou Nyoso Oyo, actualité à la canne à terrain et longo bongo, n'a moins mokol na moule bel nabino, cadet moussamba, sougachou la patriote et Sengwezeli Mingi, koukouté en abino mokolo moalelo, en direct ya chaîne Oye, mais ça n'a toujours quoi informé Bino et longo na moukona balo belia la mouka, te pelis soukat dans la nouvelle élan, Owa, puis Michel Mangala, tout que développer naïe ma solome et ma tali politique, pe actualité yamboka Kongo RDC. Na sengi na bino bozala toujours branché en direct ya Océan du Congo boye banini auto memeli bino lokola masolo bolanda toujours en direct ya chaîne biso papa Michel Mbote Mbote mama cadette Mbote pe na balandi boni santé santé ça va malgré que répression toujours qui ya marche le 24 samedi le 24 donc nazo ki choc na cheville mais ça va. Il y a un peu empêché de sauter tout le bas, il y a empêché de sauter tout défendre le pays. Ça va. En tout cas, la marche en tout cas qui bat tout le choc. Je pose à qui parmi les chocs, en tout cas, nous avons des cas à consoler ou se rétablir le plus vite possible. Tout le monde est en train de se faire politique qui a commencé. En commençant par une nouvelle, je suis sûr que les vidéos, je suis sûr que les pénales qui ont l'ancien Premier ministre Adolphe Mozi, tout le monde en boca, a sili koko fisa. Solo topé zali ba rumeur, tout le monde, mais quand on a un éclaircir le camboyango penda. Maman, na c'est qui? Na c'est qui? Et bateau ba ko propager ba fausse rumeur. Hein? Moi, en boca, le coordonnateur, il y a un nouvel élan. Et plutôt, il y a Lamouka, le président et l'autorité morale, il y a Nouvel Élan. Et je cite le président Adolphe Mozito, il est à bonne santé. Même pas malade. Maman, Naminito, avant tout ça, l'émission, tout ça, Naït. À bonne santé. Ce sont des Dongolomiso, Batuba Zangeloa au Sala. Tu vois que le régime, il y a M. Tshilombope, Bande Gonabiso, il y a IDPS, Bavandi Mingi na Lokuta. Hein? Bah, Vandi Mingi, parce que ils sont au bout du souffle, ils sont au bout, il y a raisonnement, au bout, il y a réflexion. C'est pourquoi il faut distraire les gens, amener les gens, déplacer les débats. Oh, le débat aujourd'hui, ezali ba nomination na bango o ba otu ko nommé na bato na est, n'est-ce pas? Ba généraux na est. Donc et ça, c'est mon boulot. Il y a un flou le plus total. N'est-ce pas? Parce que tout le monde a tendance moko au culte, au flou. Il y a la nomination. Wana. Au moment que le général John Kasamba, n'est-ce pas? Oui. C'est un ancien de RCD Goma. Il était proche. Il y a John Kabarebe.
Ota la koto yo, le général Clément. Oye ba nomi na Ituri. Un ancien plutôt, il y a MLC, au Bamema Rébellion, Wapi, côté, il y a Ituri, na Uganda. Moussoussou, Oyo, Bamema Rébellion, côté, il y a Nord Kivu, ce que nous sommes en train de nous poser comme question. Pourquoi, Bazui, Batoka, il y a tendance, Moko, Bapesi Bango, ba responsabilité, na ba ba province Oyo, ba Mema Rébellion, en connivence avec Rwanda et Ouganda. C'est cette question-là que nous sommes en train de nous poser. Donc, il y a du flou qui se crée. Donc, ce sont des ennemis de ce pays, Obakoko, qui ont créé telle information mensongère. Le coordonnateur, il y a Lamuka, et l'initiateur, il y a Nouvel Élan. Aza a bonne santé, il se porte à merveille. Intelligence n'a pas été pour Nakokanisa. Comment aider le Congo et aider son peuple? Il est en train de mettre toute sa réflexion, toute son énergie pour que Congo, Nabiso et Téléma, le peuple congolais, baza na kimia, baza paix, baza inquiétude. Oye singe l'hypoké, mboka oye marché. Donc, les restes là, ce sont des distractions inutiles. Dans le cas, parlons de RDC. Est-ce que cet état de siège là, malgré tout, que tu moi, quelques détails, il y a pas de nomination, il y a pas de compte, au bas, c'est le coach, et pour qu'il y ait comme une solution, la guerre, aux alapons, à est topé, et pour changer le tout, bien, ça, caca, j'ai la bande. Maman, cadette, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose que cette histoire, il y a ma nomination Oyo, c'est Ezali routine. Hein? Parce qu'on a déjà vécu ça. Yo Yebi, c'est la même chose, dans le monde qui a changement, il y a ma chaîne, il y a commandement, il changement. Hein? Comment? Du fait que Babandaki a divisé la zone opérationnelle. Donc tout ça, Bomonaki même qu'on avait même déplacé l'état-major avancé à l'est. Et aujourd'hui, on commence encore à nous parler sur comment dirais-je, état de siège. Donc, c'est la routine. Ce sont les mêmes choses. Oyo yako aboutir na rien. Parce que le vrai fait, le vrai problème, on ne table pas sur le vrai problème. Vous savez, le vrai problème, c'est quoi? Il faut voir le problème dans deux dimensions. Dimension externe, où ils ont lié une partie à la communauté internationale et complot. Avec nos voisins de l'Est, donc c'est-à-dire Rwanda, Ouganda, n'est-ce pas, qui cherchent à mettre leur mainmise sur la République démocratique du Congo, qui cause des torts dans la vie yaba congolais, qui sème le terreur, et aujourd'hui les Congolais sont en train d'être tués, n'est-ce pas? Et autre dimension interne, yakatia mboka. Aux alliés n'a pas problème au bisotozan on a katamboka parce que même la constitution de notre pays reconnaît que nous avons un sérieux problème. Il y a légitimité, il y a institution n'a pas animateur na yangote oyo balingi ko table sur les vrais problèmes t pour donner des solutions durables na problème ya Congo. Mais le gens bazo table seulement sur les à côté oyo qui oyo pesa assurance t pour résoudre les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo, au Bande Konabiso, Baokoufa. Donc, Makamunde Ezo Sale, ma maman, Ezo Sale, ma kaka, Ndenge Moko na Monsieur Kabila, Banda Kiko Sala. Donc, rien n'a changé. Rien n'a changé. Kabila,
A salé la kibiso, a initia ki, bah, changement ya commandement. O atia ki général Mbungu. Atia ki pe général Moussou Masita. Hein? Atia ki pe na général Sikambe. Qu'est-ce qui avait changé? Bah, même il biso li sousou. Oh, tu ben ba kesa la biso ba division ya ba ba zone opérationnelle. Oui. Ba même il biso li sousou ba nini comment on appelle ça encore? Ba chaîne de commandement. Oh, to mona ki certains généraux locaux la général comme le sousou nani Chirou Mwani. Oh, ya dirija ki opération wana. Mais rien n'avait changé. Baye ko memela biso li suso to benga ki état major avancé à l'est. Celui qui avait mené ba troupe wana ezala ki général Ami Sitango Fort. Mais rien n'avait changé. Mais aujourd'hui, on nous amène encore état de siège. Oyo ba élément assirant qui démontre la suffisance que il y aura la paix. Bah, élément n'est au monde en athée. Bah, comment on va se les petits dans le corps, bah, c'est l'un qui voit là, Bango, bah, il dit, c'est clair, bien. Peut-être en un canal, la Bango, ils peuvent courir aussi, ça va armer, bah, petite coupe, armer, non, et tout ça. Ah, ce n'est même pas ça. Alors, il y a quelque chose qui ne s'annonce pas, qui est du cachet, que nous, Congolais, ensemble, nous devons. Toluka moyen qu'on découvrir qu'est-ce que M. Tshilombo et son gouvernement veut faire. Madame, natu otali sayo awa. Tala balobaka boye. So lingi obomanzete, obomanzete na ba étape te. Il faut kundola misita pour bois kanzete wana. Ces gens-là connaissent les problèmes, le vrai problème. Ba yebike armée na biso ezali fortement infiltré, n'est-ce pas? Il y a des rapports qui démontrent la suffisance que il y a des Rwandais et des Ougandais dans la armée na biso. Ça, c'est la première des choses, madame. Oui. Du flou. Mais, vous prenez quelques généraux, malgré que vous avez fait un STT, vous avez dirigé ma campagne, vous avez fait un STT, vous avez fait une responsabilité. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a les mêmes hommes. Il y a le même personne, hein, de même hommes. Il y a le même Monusco, Ozakuna. Donc, les gens n'ont pas changé. Mais Bazui Kaka, quelques individus, quelques généraux, Batie Bango Nakati. Je dis la première des choses. La deuxième des choses, sur le plan politique ou sur le plan il y a coopération avec d'autres pays voisins ou international. Il y a un flou qui règne. Vous avez suivi Yuma qui nous révèle que ceux qui sèment les désordres ici, ce sont la communauté internationale. Il partit à la communauté internationale parce que bazo courir na ba richesse na biso. Ils sont là. N'est-ce pas? Oyo même biso moko ba congolais toza ko toza na même mise na ba société na biso ya exploitation ya ba minerai na biso te lokola ba chekamine. Vous comprenez? Donc ce sont ces multinationaux qui imposent leur autorité, leurs droits, leurs lois. C'est sur ces multinationaux-là, dirigés par la communauté internationale. Vous comprenez? Oui. Et cette communauté internationale-là qui utilise le Rwanda, l'Ouganda. Imaginez, madame, un pays comme le Rwanda, au bazar, même pas dans coltan. Mais, Bazali premier producteur il y a coltan. Bazana Angote. Bazala société il y a comment on appelle ça
bah société comment on appelle ça encore qui finance bah richesse hein comment bah minerai kuna na Rwanda bon bah minerai ango bazwa ka wapi est-ce sur ces problèmes sur cette question là est-ce que bah ici ango on a trouvé un consensus là-dessus. Point d'interrogation. Mais maintenant, sur le plan national, n'est-ce pas? Oui. Bango Bayebi très bien que nous avons un problème. N'est-ce pas? Oui. Nous avons un problème. Il y a légitimité, il y a institution, il y a animateur. Ça, c'est un problème. Et maintenant, on prend des généraux, Bapesi Bango ba responsabilité. Mais qu'est-ce qui se cache? Et en plus, tel est ce moment à l'ICAM, bah, généraux ou bah, Tindikuna. Oui. Ce sont les généraux. Oyo ba dirigea rébellion na ba coin oyo ba pesi bango nazo lokola général John Kasumba ye azaki na époque ya RCD Goma a dirigea kuna bato yo madame ba dirigea RCD Goma muta soutena bango ezanani c'était Kagame de ezaki rébellion soutenue par Kagame. Zoa na côté ya Ituri, le général Constant Dima. Ya zalaki mutu ya MLC avec le général Alongaboni. Bazaki na côté ya MLC. Mais bazui kaka Ituri oyo Uganda et dirigea ki rébellion ya MLC. Bazuipe, bapesi kakaba, bango. Pourquoi cette tendance? Donc, vous allez voir que on a réparti Nord Kivu et Ituri, na Kabila, na Bemba. Donc, Bemba dirige Ituri, Kabila dirige le Nord Kivu. Donc, batu oyo bazana ba kwetance na Rwanda, na Uga, na Uganda. Pourquoi cet imbriglio? Il y a du flou, n'est-ce pas? Pourquoi Bazwaki, même pas le général Alongabo, ni même le général Klesoana, Batinda Bangona Ituri? Qu'est-ce qui se cache? Il y a du flou. Ce sont des interrogations que nous devons, en tant qu'analyste et citoyen de mon pays, je dois me poser ces interrogations. Qu'est-ce qui se cache? Vous comprenez, madame? Oui. Donc, vous allez voir que, ma maman, la manière dont les choses sont en train de se faire, il y a du flou. Et d'ailleurs, l'état de siège, va décréter à Kangou Nengenin. Yango Monique, Bisson à la Mouka, Tomi Tuni Moutouna. N'est-ce pas? Oui. Bitumba Oyo, Ezakunana S. D'abord, est-ce qu'on a Kivu, Ituri, si y a Bitumba, Eza. Parti à Mboka Nabiso. Soki Moussapioyou, ezana passi. N'est-ce pas? Oui. Ezaga Moussapioyou, goyoka passité. Et un zoto Moubimba, goyoka passi. Mais pourquoi bazo décrété kaka état dirigeant sur Onana? Des sièges Onana Est. Qu'est-ce qui se cache là-bas? Et pourtant, état de siège en go, l'article 85 de la Constitution, ezoko démontré, hein? L'état de siège, c'est quoi? Parce que état de siège, bah, décrété à Kango, ce qui est agression, ils allient. N'est-ce pas? Par exemple, Mboka, Moko, notre exemple, la Rwanda, est agressé Bisso, bah, qu'on décrété l'état de siège. Mais dans le cas d'espèce, n'est-ce pas? Oui. Mboka ni Nyango, ils ont agressé RDC, Baye Bissa Bisso. Mais nous le savons que, il y a un bah, groupe armé, Oyo, ils allient manipuler. N'est-ce pas? Par certains leaders politiques, il y a Libanda accompagné na Oyo ya Congo Awa, parce que révélation Oyo, Moutatali Sibiso Ango Ezanani, Ezali Nani, comment ça s'appelle? Mbosa Kodi Ankwanga, n'est-ce pas? Oui. Qu'il y a des députés qui ont soutenu le groupe armé Wana. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais Ezali insécurité, n'est-ce pas? Oyo va mettre. Autre disposition pour tout faire cette insécurité. Awa, le général Bauma, a
attaquaki ba rébellion wana ba M23 akimisi bango ba koti même Rwanda pe à son âme le général Mbuza Mabe o attaquaki ba M23 ba tona nyoso ba kimiti ba koti bango ti na Rwanda bazaki na armement nini. Vous allez voir que les Cambois est des alliés complots. Et ça, quelque chose de monté par des individus. N'est-ce pas? Qu'on devait poursuivre pour que Balandé la Batouana, on les arrête. Mais Bako décrété état de siège. Pourquoi? Nakati Andaku, Bosoto et Zali. Mais Bosoto, il faut trouver des solutions. Nakati Andaku. Bisoto Lubaki Boui. Nous devons d'abord faire des réformes institutionnelles. Par réforme, il y a l'armée, il y a la police, il y a le service de sécurité. Parce que l'armée, la police, le service de sécurité, ils ont infiltré. N'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, Botinda, même le général, le général Makas, n'est-ce pas? Oui. Botinda Bango, pour que ça l'anime. Donc, Madame Tikana Silissa, oui. Aux hommes, il y a du flou tout autour, il y a cette question, Oyo Ndenge de Kotchilombo, a Tindi, a sali état de siège. Kunana S. Il y a du flou. Vraiment, il y a du flou. Écoute, il fallait d'abord, tout ça, la réforme, il y a l'armée, il y a la police. Nous avons dit, il faut que le fils et les filles de ce pays, va se mettre tout autour, il y a table moko. To va discuter sur de vraies questions. N'est-ce pas? Oui. To ça la réforme wana et la légitimité pe accompagnement ya mwana mboka nyonso. Vous comprenez? Ba jo yango ba mema yango na parlement pour na entérinement. Comme ça biso nyonso to lande la yango pour que to éradiquer babiloko nyonso zo sa mana est. Mais ba ennemi de ce pays ba lingite ke makambo esali na ndenge ya solo parce que ils ont des intérêts obscurs oyo ba congolais ba yebité. C'est pourquoi vous êtes en train de voir ba sa makambo na ndenge ba ko sala wana na flou nyonso et ça n'assure pas la paix à l'est. C'est pourquoi moni biso to côté melango pe na kati ala muka to lobi boye il y a du flou na tanga disposition moko mama bolimbisa ngai na point 1 oyo ya communiqué ya presidium na biso ya lamuka oyo ba ko bunda bitumba ya mboka oyo pour sauver la république démocratique du Congo qui est en danger parce que mama mboka na biso ezali en danger yo tolobi boy ba konsi ba lobi boy. Point 1, na moyen atanga nyo sezate. Ce sont des questionnements que nous sommes en train de se poser. Oui. Qui menace l'intégrité de notre pays? En d'autres termes, peut-on savoir qui agresse la République ou il fait la guerre pour que nous puissions mobiliser tous contre cet ennemi qui sème la terreur. N'est-ce pas? Moutouna to mitouna. Nani oyo a menacé intégrité territoriale ya mboka na biso. Peini mboka nini? Ba yebisa biso bito ko yebate. Parce que biso nyoso to lingi to yeba pour que to sangana. Biso ne soba na mboka to bundisa ye parce que za ennemi ya mboka. Mais il y a du flou. Il y a du flou. Madame, il y a du flou. C'est pourquoi, il y a un mot que, Bisso, tu as éveillé Banamboka. Parce que ce qui se passe, Lilo, et où se passe Lilo, et ce monde a comme si complot contre la République. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Voilà, madame. Qu'est-ce que tu as confiance au président de la République, le président Fatih, a dit que le pays est un peu plus de la République. Il a dit que le pays est un peu plus de la République. Il a dit que le pays est un peu plus de la République. Il a dit que le pays est un peu plus de la République. Donc, il a dit que le pays est un peu plus de la République. Il a dit que le pays est un peu plus de la République.
nawana na posa parce qu'il y a bi terrain malam. Est-ce que qu'on limela yango tout pour contredire? Maman, il y a likamba ko nimela te pe ko contredire te. Vous savez que il faut interroger les faits. N'est-ce pas? Oui. Na ta moko yo, na otiko parler yo awa. Au moment bakenda ko sala ba ko changer ba chaîne ya commandement na katamboko. Au moment bakenda ko diviser ba zone opérationnelle na katamboko. Au moment bakenda ko renforcer le chaîne ya commandement na katamboko na otiko yebisa yo. Batinda état major hein? État major avancé na katamboko oyo. Donc c'est-à-dire il y a eu des personnes ou des personnalités au bakendaki pour que bape sa solution na katia problème au za ko animer mboka lelo oyo so batindi bato batindi kuna ba changer le monte ba salika la même chose oyo kabila bandaki osa nini ko sala zela na numama pardon na sunga oui. Na sunga na expliquer ba congolais na zotali so dimension de fait okay, donc c'est la routine on a bengi c'est la routine. Basali kaka oyo kabila bandaki ko sala. On n'a pas tablé sur le vrai problème. Sur le vrai problème na totali so a madame. Que toza na problème ya légitimité ya ba institution na ba animateur na yango. Ta tangu Bauma le colonel Bauma na colonel Muzamabe na o mususu azaki pena Mamadou Ndala. Tangu ba bengana ki ba M23 ba bengani ba FDLR o ba kota ki na Rwanda kuna yebisa bazaki na armée te bazaki na munduki te bazaki na armée mate bazaki ndeni ni poki ba refouler ba groupe wana basala ineni est-ce que ba kenda ki ko déclencher état de siège pour que ba bengana bango donc ils ont seulement changé l'appellation. N'est-ce pas? Mais on n'a pas tablé sur le vrai problème, sur le fait. Maman, problème ya mboka oyo. Ezali communauté internationale oba ko tia batuna bango pour que ba protéger ba intérêt na bango na kati ya Congo pour que bango ba banda ko piller la République démocratique du Congo. C'est ça la vérité. Vous comprenez madame? Oui. Alors, nous peuple congolais, nous comprenons ça. Yango zo mona ke baza ko entretenir la légitimité ya ba institution pe ya ba animateur na yango pour que ba créer ba salle bezon ozo se passer na est. Nous on a compris ça. Nous disons que pour que les choses changent, il faut avoir des vrais animateurs ya ba institution ici ya peuple congolais. N'est-ce pas? Oui. Ici ya expression ya peuple. Non ba animateur fabriqué qui parle au nom du peuple congolais. Donc, madame, je vous dis que c'est la routine. Et Zakaka, oh, déjà, c'est Salema, autour au monde. Donc, il n'y aura pas de résultats tant attendu. Pour un temps, au Yokango, il a dit, ba komiko ganga, ah, voilà, on a fait ceci. Na simanango komone sa nini ezongi. Pourquoi madame? Parce que on n'a pas tablé sur le vrai problème où ezali ko diviser ba congolais. Le vrai problème c'est le problème il y a légitimité il y a ba institution na ba animateur na yango. C'est ça le vrai problème madame. En tant que citoyen au conseil on va salali ba dans la vraie problème. En tant que citoyen oui. La mouka est à couper sa ba piste de solution. Mais ba boucher matoi na bango parce que ba zana démarche ya ba oyo ba orienta bango ba pesa bango ba injonction madame toyebike ta la problème ya seni aujourd'hui on dit nanga a révélé les choses l'ambassade des États-Unis d'Amérique malgré on veut pas dire ça il a annoncé c'est lui qui avait gagné les élections parce que il pouvait pas publier le vrai vainqueur des élections, de peur d'être tué. Vous comprenez, madame? Oui. Nous, na Katia Lamouka, le coordonnateur Adolphe Mozito, na, le président légitime Eli Martin Fayulu, pour que tout effort occasionné Moïse Biamapounami, nous avons fait des propositions. N'est-ce pas? Il y a réforme, il y a CENI. Mais, mais
à part notre peuple, qui ont crié à notre démarche, et nous demandons à notre peuple, maman cadette, de se prendre en charge pour que la réforme, ouana et salima, te dépolitiser séni, pour que tu sois ba vrai représentant ya peuple au biso to bengi la souveraineté ya peuple singi ke zonga na maboko ya peuple. Voilà notre démarche. Donc démarche o yesalema madame eza flou eza clarté to mon araba niage na ba niage et a clarté et a clarté ça cache beaucoup de choses, mais ensemble avec notre peuple nous devons tous découvrir qu'est-ce qui se cache pour que to tele melango. Tu peux te peiner le solo, il y a mon ancien ministre, il y a EPSP Willy Bakonga, au à côté de ce Makala, au état des droits, ils ont cangassé Bakonga. Il y a eu Willy Bakonga, 300 de prison, et le monde a moins d'un aïe Joël Bakonga, 6 mois de prison, là-bas, à moins de révéler à Bakonga. C'est quand même une bonne nouvelle, tu peux être au Bakonga, parce que l'enseignant Valéla qui m'a créé, mais le haut, non, maman. Oui. Tokos lubailo moko. Oyebi eya pasi komona ba enseignant ba o ba opesa bana na biso mayele, ba o ba pesa biso mayele. Ba souffrir na kati ya mboka oyo. Parce qu'un enseignant aujourd'hui touche moins de $100. Oui. Qui ne représente absolument rien. N'est-ce pas? Oui. Yango zomona ke enseignant pour raison de vivre, il faut à procéder na ba certaines pratiques. Oyo a des fois ezako bebisa même réputation ya ba enseignant ko procéder peut-être na ba chaya ya ba silabiso ba ko côté katé ya ko senga peut-être bana ba même ba travail manuel peut-être batika ba ko ya ko pesa moi misola comme le travail manuel. Oyo honoré mbokate. Mais likambo ya Willy Bakonga, likambo bakangiye, bakangiye po na problème ya enseignement te. Bakangiye po na problème, n'est-ce pas? O babengi ya blanchiment d'argent ya mbongo. Oyo esami pe na kati ya mboka ona biso te, esami libanda. Alors bakoki ko sala récupération politique te. N'est-ce pas? Bako ko sala ngo récupération politique parce que ezali état de droit te. Ce qui mutu a commettre ba infraction mobeko esengi ke kangaye. Vous comprenez? Mais il y a encore une dimension. Vous avez parlé l'état de droit. Dans notre pays l'état de droit n'existe pas encore. Vous le savez comment l'expression ya peuple ezali bafoué. Oyebi ke biso na kati ya nouvel élan. Pe na kati ya plateforme neno yo la muka. On a perdu maman Fama oyo azali membre ya nouvel élan pe membre munene ya la muka, n'est-ce pas? Oui. Po na intolérance politique ya régime ya monsieur Tshilombo, n'est-ce pas? Pourquoi on avait gazé? Raison pour gazer population zaïgénine. Parce que maman a supporté coup ya gazité et a emporté ye à Koufi. Tandis que la marche a été bien introduite parce que la Constitution nous donne le pouvoir d'informer l'autorité provinciale. Nous avons informé l'autorité compétente. Ce n'est pas l'autorisation, c'est l'information. On avait informé madame. Est-ce que les militaires avaient dit que les militaires n'ont pas. Mais écoutez. Les militaires n'ont pas. Maman, tu as une image. Tu as une image. Les militaires n'ont pas. Ils ont chanté. Ils ont un soutien, une solidarité. Ils ont un soutien à l'Est de la République démocratique du Congo. On n'a pas touché bien à qui que ce soit. On n'a pas injurié qui que ce soit, mais on chantait ma chanson, il y a solidarité, na bande konabiso, il y a Est. Mais on a gazé. Vous savez que le coordonnateur, il y a la Mouka, Adolphe Mozito, Alinga qui a Zouabal, Massasi, Oyebiango, madame. Vous savez qu'on a tiré sur Adolphe Mozito. Vous savez qu'on a gazé sur Adolphe Mozito. C'est pourquoi Zoyo Kalero, Adolphe Mozito a Koufa.
Adolf Mozi to akufi. Akufi. Tu vois les gens dengue ba animé na kimute mamabe, kimute ya kibondoki. Bato ba lingi te ke mboka o avancé. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça, madame? Donc, on a tiré sur les gens, on a lancé des gaz lacrymogènes sur les gens. Les gens, zoki, il y a des gens au miso et koufi les lots. Madame, est-ce que vous pouvez accepter ça? Yozo et Psanga, état de droit. Dans un état de droit, est-ce qu'on peut gazer le peuple? Oyo, bako revendiquer droit et ça, légal et légitime. Regardez. Ba journée o yabino ba panzi sango ba association ba s'organiser qui avec cette histoire des rames o ba ko yi ba congolais parce que le loyo congolais pe congolaise nyoso a moins na kata pareil na yi crédit et ki monnaie électronique et les cas sous terre. Donc on a créé quelque chose pour voler les congolais mais ba ko ta même na ba compte ya ba congolais pour que Bazwa Mbongo naba MPSA naba Orange Money ainsi de suite. Donc vol moko bien organisé o ezali instauré na kati ya il y a cette histoire ya RAM. Mais ba association baza na droit na bango parce que ce sont des citoyens de ce pays. Ils ont le droit. Le droit de manifester est garanti dans notre constitution. Le droit à la liberté d'expression est garanti dans notre il y a société Nabiso. Madame, mais je n'ai pas fait. Mais pourquoi on a arrêté, on a gazé sur le paisible citoyen qui revendique leur droit. C'est pourquoi nous sommes en train de dire maman, l'état des droits na kata mboka oyo est commun à nous. Vous comprenez? C'est encore un combat que nous sommes en train de mener pour que Toko mana état des droits. Donc, régime ya Monsieur Tshilombo aujourd'hui, et là qui c'est d'abord limite na yango, et ça régime moko dictatorial, il y a une sorte d'oligarchie, et ça créé na katia sommet de l'État. Talaka ba ndekona bino ba journalistes, ils sont menacés. Ils ont changé façon de faire, n'est-ce pas? Ba kangi yo journaliste, ba intimidé yo. N'est-ce pas? Bah, vendition, dans l'année, quelques temps, intimidé, et après, on vous lâche, tant au bimi, au changer discours. Vous comprenez? Oui. Loko la, ninga nabino, nani, Israël mouton, a changé discours. N'est-ce pas? Bah, oh, monsieur, soit kangé, kanga kiwana, bah, changer discours. Koka mate, lobi pe, bah, kangé, lobi pe, changer discours. Donc, une forme de bah comme il faut étouffer information bah comme il faut cotiser sa terreur qu'au banga et pas n'importe quel journaliste avant que on va l'icamo faut tourner langue na yo deux fois oh lamba makambozo loba oh masquer certaines choses certaines informations hein oh embellir yango pour que le bango clarté. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et notre peuple devait comprendre c'est ezali oligarchie oh evandi qui commence à étouffer la liberté de l'expression. Et nous appelons notre peuple de rester debout, de ne pas être intimidé, parce que ils sont les citoyens de ces pays, ils ont leur droit à revendiquer pour que Mboka Oyo, et Ali Mboka Nabiso Nyonso, et Ali Mboka Congolais Nyonso, et Ali Mboka, il y a un groupe d'individus, oh lelo, comme un maître absolu, parce qu'il y a des maîtres nageurs, il y a ceux qui décident dans ce pays, oh comme le loco là-bas, oh, toi, qui lobby dans mon pape. Hein? Bah, comme il est là, bah, nous sommes comme Kota le laka à Bango. Alors, cette histoire d'influence, nous devons bannir ça dans notre pays. Voilà, bande de Kobalandi, Tokobi Bongo Penana, Soukaya émission, Nabiso, mais message clé, na bande de Kobalandi, Pé Sangonine, Oyo, la Mouka Boza na Yango, on a coupé sa bande de Kobalandi, tout peu nouvelle, et là, les sous-titres dans la communication, on peut savoir où la bande de Kobalandi a aussi un. Bisso na kati ya nouvel élan pe ezali pe position ya plateforme na biso la Mouka to zo senga na peuple de garder leur flamme allumée de ne pas être intimidé parce que le Congo ezali mboka na biso nyonso to garder tête haute pour que to se préparer
pona ba activité oyo ko sala mikolo ezakoya pour que peuple a récupéré souveraineté naye oyo za confisqué par la volonté d'un groupe de gens d'une oligarchie qui est créée dans notre pays pour que ba conserver pouvoir d'une manière indue. Merci beaucoup mon amboka Michel Mangala le ngosi qui n'a ma invitation à biso ya mokolo mo le totondo. Na pesio merci mama cadette. Okay, merci beaucoup na bino pe boso qui papou ya kolanda biso en direct ya océan du Congo na signe bino boso la toujours branché à chaque fois qu'actualité zali la patriote ko la toujours wana pour la tiko servir bino yango na ngonga o esengeli.